Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, j'ai fini de faire le plan, enfin les plans pour les coiffes façonneuses et assembleuses. Alors là c'est avec un, non, mélangeur et façonneuse. Ce que j'ai également fait, attendez je vous switch de... point de vue, voilà, c'est que j'ai décidé donc de ma stratégie de production, voilà, donc voici grosso modo, grosso très merdo comme on dit, les plans et la quantité, donc les plans, hop, ici de ce côté là, et la quantité de d'usine. Comment... Non, pas d'usine, de bâtiment, voilà. Associé à chaque plan que je vais devoir faire. Par exemple, des lingots de fer pur qui se font dans des raffineries. Parce qu'ici, j'ai mon lingot de fer pur, c'est une recette alternative. Et ben, je vais devoir faire 30 raffineries. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Donc je vais suivre tout ça, par exemple plastique, je vais devoir faire 20 raffineries sur du plastique, de la silice, je vais devoir en faire 16. Non, silice, non, c'est béton, ouais, pendant un moment j'ai... Je pensais béton. Fil électrique, 50. Vis, 50. Voilà. Bon, autant dire que ça va consommer. Hein. Ça va consommer un max tout ça. Allez, je vous rebascule sur le bon écran. Moi, je me bascule pour avoir, voilà, ce qu'il faut sur le côté. Et c'est parti. J'ai réfléchi, ça m'arrive parfois. Et je crois que l'étage, il va sauter aussi. Je sais pas encore si je le retire ou pas. Mais je préférerais avoir un truc bien plat, mais le problème c'est que forcément ça me prendrait beaucoup plus de place, parce que mine de rien là j'en foutais des trucs. Sachant que j'avais encore un troisième étage, j'en foutais vraiment pas mal de trucs. Imaginez que tout ça, je devrais le mettre à plat encore quelque part. Un autre endroit. Voyons. Là j'en ai un en moins. Ouais. Ah bah on va commencer par les raffineries. Le raffinage. Ouais, je pense que ça se prononce, le raffinage de fer. Alors on va commencer par la partie à droite. Oh, oula. Alors, ouf, putain, c'est oula. Alors c'est... Non, la bonne question c'est dans quel sens? S'il vous plaît. Voilà, et je vais aller commencer ici, je pense. Si j'arrive à le placer bien. Je vais me laisser de la marche sur le côté droit au cas où je préfère. Yes. Je crois que c'est bon là. Je crois que je suis à peu près bon. Bon, donc là on a la raffinerie côté droit. Je vais manquer de moteur. Pour les prochains, je vais aller chercher du moteur. Je crois que je vais manquer que de ça. Hein. Ouais. Là. Bon, de ce côté là, c'est moins impressionnant. Hein. Bon, tu me diras, c'est pas ceux qui. Ah si, c'est déjà plus. C'est plus sympa. Assez pratique pour dire ok, le bleu c'est en sortie et le normal c'est en entrée. Oh là, j'adore. Allez, je vais chercher les moteurs. Alors, normalement j'en ai quelque part là-dedans. J'en ai pas vu là. À moi les moteurs. Merci. Hop, on passe dans les plans et raffinerie. Bon, comme ça. Alors là, faut que j'arrive à coller. Oh, du premier coup? Non.
Bah si, ça a l'air. Hein. Magnifique, te dis pas. Avec les petits tuyaux en couleur là, magnifique. Ah non, ici aussi c'est en couleur. oui, je pourrais changer mes réacteurs. Bah non, non, le problème c'est que je suis trop loin de l'alimentation avec. Je vais rester sur un réacteur dorsal. Regardez là, normalement, si j'ai bien fait. Oh non, c'est décalé. Ah, c'est décalé de 1. Oh, c'est triste ça. C'est pas grave. Je vais le refaire. Au moins. Hop. Ça demande pas beaucoup de temps. Oh, il y a un tout petit décalage. Oh, c'est triste. Comme ça m'a l'air correct. Je vais être sûr. Ouais, ça a l'air d'être ça. En fait, c'est pas un décalage de. C'est comme ça le décalage? Non. On voit l'échelle, elle est pas au même endroit. Ouais, là, c'est aligné. En plus, ça se voit, il y a un trait sur le centre. Ok. Laisse tranquillement tout se poser. What? Ouh là, le fil. Ouh, il a pété un câble, le fil. Ouais, mais il a pété un câble. Tu m'étonnes. Ah! J'ai paniqué, j'étais dans un tuyau et j'étais pas bien. Ok, et là. On est bien, hein. Hop là, là j'ai plus qu'à faire la jonction entre là. Est-ce que ça prend la couleur aussi si je fais comme ça? Ah, dommage. C'est quoi, c'était celui-là? Oh, yes. Du premier coup. Ah, bah, j'ai inversé droite et gauche. On va y arriver, on va y arriver. Bon, dans les noms, j'ai inversé droite et gauche. C'est quand même dommage, ça, hein. C'est bien, c'est des erreurs qu'on fera plus. Quoique. Allez. On va être. Ah! Peut-être un peu trop gourmand là sur. Ah, mais si, mais c'est parce que je regardais de face. Je me suis pas trompé. C'est que je regardais de face et j'ai pas regardé de. En fait, entre droite et gauche. C'est que là. Là, effectivement, là, c'est bien la raffinerie gauche. Mais quand on regarde de l'autre sens. Ah mince. Vu de devant. Merde. Ah bah alors, c'est couillon ça quand même. Allez, on va devoir bien poser ça maintenant. Alors là, ça va être toujours la croix et la galère. Non, c'est pas ça. La croix et la bannière. Ouais, je suis aligné. Il s'est bien placé. Bah. Bonjour, je voudrais la même couleur, s'il vous plaît. À la bonne. Hop là, merci. oui, là aussi et. Et qui c'est que j'ai foutu là, moi? Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que j'ai foutu là aussi? Oula, va falloir que je refasse certains petits trucs. Hein. Bon, de temps en temps, il y a des loupés apparemment. Faudra que je corrige. Même, hein. Pourquoi là c'est pas en lien? Ah. Bon, là je me demandais pourquoi ça voulait pas, mais c'est bon, j'ai compris. C'est que on n'est pas dans le bon sens. C'est pas normal ça par contre. On est d'accord, c'est pas normal. Là c'est lié, mais c'est juste que ça se voit pas. Là aussi, c'est juste que ça se voit pas. Oh là 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 là. Bah attends, mais c'est surtout ça en fait. Qu'est-ce que j'ai foutu ici? Comment comment j'ai fait ça moi? Bah mon gars. Bon, on va mettre des répartis. On va mettre à répartir comme ça. Ouais, non, mais des fois c'est. Pourquoi je viens de faire ça? Ouais, on est tout. Voilà. Ok, et là je fais comme ça. Non, mais je sais pas ce que j'ai foutu. Bah alors, mon ami? Bah mon gars. Ah oui, bah là c'est pas bon aussi. Ah, c'est pour ça, ok, d'accord. Là, je vais juste faire tac, tac. Ok, je préfère. Par contre, ouais, honnêtement, ouais. Je vais remettre les couleurs, je vais faire la. Je vais changer un peu là, parce que. Ça je l'ai pas touché, honnêtement. Merde, oh non! Alors, je vais remettre à bonne couleur. Pas du tout. Oh lâche. Alors là, on a trouvé le nuancé standard, ça va être. Oula. Vous savez quoi? Voilà, on arrive. La flemme du garçon. Non, c'est pas le mot. En fait, je me fie aux emplacements, moi, vu que j'y vois que dalle aux couleurs, là, je suis en mode, vas-y, emplacement à dos. Hop là. Ouais, je vais aller reposer, parce que forcément, je l'ai retiré, là, le modeleur, là. Hop, alors, bonjour. Je vais aller charger mes... Ça va faire un bordel, ça, la vache. Raffinerie. Ah c'est con ça. Hein. Il manque des poutres. Tant mieux, j'en aurais besoin en plus. Où est-ce que j'en ai? Ici. Oh oui, j'en ai bien. Ah, attendez. J'ai vu que j'avais des trucs. C'est vrai que je vais aller chercher vite fait là en coupant. Je suis allé brancher des geysers. Et que je reconsomme, enfin, je reproduis un peu plus parce que là en fait toute ma partie charbon est arrêtée parce que bah c'est bon. Le charbon là il est arrêté là. Donc toutes mes centrales charbon elles sont arrêtées actuellement. Charger, fonderie, non fonderie, raffinerie. Raffinerie. Hop, répartiteur dans ce sens-là, s'il vous plaît, monsieur. Dans ce sens-là, s'il vous plaît, monsieur. Dans ce. Voilà. Je fais qu'en customiseur, là, j'ai juste à dire ça, c'est du bleu. Oh, ça coûte la moitié, ça, c'est fou, par contre. Le problème, c'est que je sais pas quelle couleur ça a, ce truc-là. Je voudrais bien faire un personnalisé, mais.
Vous êtes tendu. Vous êtes tendu. Attendez. Quand on ne sait pas. Il y a la couleur parfaite. Alors. Enfin, n'importe quoi. La méthode parfaite. 6 CA 8 D4. Merci. Hexadécimal. Je sais pas s'il est sensible à la case, donc au cas où. Voilà. Parce que si je fais comme ça là. Bon, ça change que dalle. Hein. Alors c'est peut-être plus bleu et encore, je sais même pas. Vas-y, mettre la partie basse là. Ouais, pas bleu, c'est bien d'avoir une sortie en bleu, mais enfin. Bon, ça change rien. Hein. Bah pas grave. Ça, on peut le sauvegarder. Non, la sauvegarder. Ça. Raffinerie. Je vide, je récup parce qu'il va me dire vous avez pas assez de matériaux, ça c'est bien possible. Hop, raffinerie, bonjour, raffinerie à gauche. Il y avait quoi? Il y en avait un, deux, je sais plus si c'était là, raffinerie à gauche ou raffinerie à droite là qui. Bah ouais. Enfin, au bout d'un moment, comment j'ai. Qui... Putain, des fois faut pas chercher à comprendre. Bah alors? Bonjour, bonjour. Un petit customiseur, s'il vous plaît. Ça, c'est relié, on dirait pas, mais c'est relié. Là, normalement, je suppose que oui, ça a relié. Ok. Donc, je sauvegarde. Non, je sauvegarde là. Et je vais vérifier hein, pendant que j'y suis la raffinerie de droite. Je fais de la merde, autant modifier tout de suite pendant que j'y suis. Jamais par pur exemple, non, il n'y en a pas. Bon. Là comme ça, je vois pas. Je verrai. Les liens sont faits. On va passer à la dernière. Oh purée, alors droite. Gauche. Droite parce que je suis en face. Ok. Alors déjà, est-ce qu'on a un. Non. Voilà, c'est ça le bon sens. Alors, on va voir en fonction de l'échelle. L'échelle doit être placée au bon endroit. Oh la vache. Ah! Oh. Oui, c'est comme ça. Bonjour. Merci beaucoup pour me simpli de m'avoir simplifié la vie en tout cas. Ah, c'est tellement simple ça, quand une fois que c'est fait, le gain de temps est génial. Hop là. Là, il y a un lien, et là, il y a un. Les couleurs, les couleurs, les couleurs. Voilà, un ici. Voilà. Là, je crois que c'est fait. Alors, que je vous explique vite fait ce que j'ai fait, c'est que. En gros, là, on a l'arrivée de matériaux, ici. Qui se barre dans ce répartiteur et répartiteur qui va alimenter si je me trompe pas la raffinerie qui vient la raffinerie qui viendra là et la raffinerie qui viendra là. Le petit problème c'est que j'avais oublié de faire l'alimentation des côtés. Or pour pas tout casser j'ai juste dit hop je fous un répartiteur par au-dessus et puis bah ça. Parce que flemme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hein? Non, 8. 4, 4, 8. Voilà, on a 8 raffineries. J'ai déjà oublié combien il nous en faut. Oula, 30. 8 fois 3, 24 plus 8, 32. On arrivera à 32 raffineries. Je vais faire 32 raffineries. C'est pas très grave si on a un peu de rame. Même au cas où. Ce sera plutôt. Ah, au cas où on ait un peu plus de consommation, ce sera pas une mauvaise chose en fait. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Ou pas, j'en sais rien, ça dépend comment. Ça dépend comment je m'y suis pris. Je vais replacer plus, je suppose que j'ai. Non, j'ai assez? Non, 27 sur 20. Attends, quoi? Oui, d'accord. J'en ai assez de ça. Bon, maintenant il faut que j'arrive pile en face. Ouais. Alors là, ça va être drôle ça. Ah, ben. Comment je vais faire pour réussir à le placer ça? Déjà, il faut que je me centre. Donc, ça veut dire que ça, il faut que j'ai une arrivée là qui soit pile en face. Donc, ça, il faut que ça soit juste en face. Ça, il faudrait que ça soit comme ça, mais je pense que je peux même le rapprocher. Normalement, c'est fait. Oula. Alors. Comme ça, hein. Ouais, un effet d'optique chelou, là, j'ai du mal à. Pour moi, ce serait comme ça. Même plus, même, parce que, attends, je vois un truc. Je vois un truc en vrai. Normalement, je devrais arriver sur cette profondeur-là. Moi. Sur cette profondeur-là ou sur. Je vois comment j'ai fait. D'accord. Là, il y a encore un peu de place et ça dépasse pas. Ok. On va voir si je vais réussir à bien replacer ça ou pas. Oui. Celui-là. Alors. On disait. Déjà, il faudrait que je sois aligné par rapport à ça, donc si. Là, c'est vraiment sur le bord de chez bord de chez bord et l'échelle dépasse même. Ok. Bord de chez bord de chez bord, c'est comme ça. Là, c'est vraiment bord de chez bord de chez bord de chez bord. Il y a peut-être un. Ouais, si. Attends, quoi? Ah, ça dépasse! Ah, ça dépasse sur le. Sur les évacuations d'eau. Ah! Ok. Ouais, ça dépasse comme ça en fait. Ah, oui, bah attends, là, c'est. Bah, attends, là, si je fais dépasser sur les évacuations d'eau, c'est pas. Attends, mais j'ai si j'appuie sur. Bah lui, c'est comme ça. Donc, c'est que j'aurais pas foutu les sorties alignées là? Je suis nu à ce point-là? Ah bah oui! Ah bah oui, effectivement! Non mais. Non mais c'est ça! C'est que c'est pas aligné du tout! Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi? Bah. Enfin. Ouais, non mais c'est aligné par rapport au centre ici et là c'est aligné par rapport. Là c'est bien. Et lui il est. Mais pourquoi? Ah c'est pas quand je l'ai replacé manuellement celui-là?
J'ai dû le replacer mal manuellement. Non, bah non, même pas. Je l'ai pas déplacé, si. Non, oui, peut-être. Bon, je vais checker. J'irai checker plutôt. Ah, purée. Ah, j'étais en mode, mais attends, mais c'est pas normal. Hein. Alors, on va aligner par rapport au reste. Voilà. Alors, je vais aller vérifier quand même que j'ai pas fait de bêtises là-bas. Attends, oh, ça, oui, c'est pour l'alimentation, donc c'est normal que ça aille par là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Charger le plein. Raffinerie, 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 c'est celle du milieu. Eh ben, je ne m'explique pas ce que j'ai, comment j'ai réussi à foutre, faire quelque chose comme ça. Alors là, j'ai peut-être, en fait, ce que j'ai peut-être voulu faire, c'est vraiment faire perpendiculaire, parallèle, plutôt. Non, symétrique. Oh, ouais, ouais. Par rapport à l'autre côté, sauf que bah, l'autre côté en fait c'est... Je peux pas vu que les machines sont pas, pas symétriques. Allez, je sauvegarde. Je vide le conteneur, je reprends, hop, voilà. Ouais, forcément des petits fixes. Relancement. Des erreurs, ce sont des choses qui arrivent. Le mieux c'est de s'en rendre compte et de les corriger. Même les erreurs sont normales. J'ai même pas envie de dire que ce sont des choses qui arrivent, l'erreur est normale. Ce qu'il faut faire, c'est tout pour se corriger. Alors. Alors. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Ah mince. Par contre, du coup, j'ai perdu mon repère, je me souviens plus du repère que j'avais. À ce niveau-là. J'étais comme ça, hein. Ça devait pas dépasser. Là ça dépasse, j'ai l'impression. Pour moi c'est comme ça. Je vais le placer, je vais voir. Oula. Sur le placement c'est très carré. Là j'ai un peu... Devant la patte, je vois un petit peu de l'évacuation d'eau. Là on dépasse, mais ça c'est normal. Et là au niveau de l'alignement, je suis bon. Je vais checker ça. Là, au niveau de la patte, on dépasse un peu. Je peux pas passer parce que les échelles qui me bloquent. Mais oui, c'est ça. On est bon. J'ai réussi à passer au travers ou quoi? Fait que là j'ai juste à faire hop. Il n'y a pas grand chose, hein. Pas surtout vous, à mon avis. Couleur, couleur, couleur. Parce que Alim. Mince. Pas la même longueur ça. Ah ouais, non mais c'est juste ça qui est... Bon, faut les laisser faire leur truc chelou là. Ici on alimente, ici on alimente. Je recustome comme ça je me perds pas sur les lignes d'Alim et les lignes des autres. C'est vrai que ça doit être tellement pratique en vrai ça quand t'es pas daltonien, juste bien suivre différentes lignes, genre prendre un exemple Minecraft, mais c'est vrai que parfois j'essayais de faire des... En fonction des lignes de redstone, j'essayais de faire des trucs à peu près quali pour que ça suive et savoir ok, bah telle ligne, là je mets telle couleur, comme ça je suis sûr que...
C'est, je sais pas, par exemple, c'est la cloque ou un truc comme ça, l'horloge ou un truc comme ça. Mais c'est impossible qu'au bout d'un moment. Moi, je mets trois couleurs, ça y est. Le cerveau, il suit plus. Mais à mon avis, quand il arrive bien, ça doit être tellement cool. Ok! Ah non, j'ai pas fini. Hop, toi ça va là et. Ah! Bah oui, forcément, mais j'ai pas pensé à ça non plus. Ce qui fait que là où c'était bon tout à l'heure, là maintenant c'est plus bon. C'est pas grave, on va faire ça, écoute. Hop, voilà, tu pars là et toi tu pars là. Bah alors? Attends, non, c'est pas bon ça. Attends. Ça c'est l'arrivée des. Ça c'est le bleu ça. Et même les couleurs, je les vois pas de là. Là, c'est pour dire hein, que ce soit bleu ou pas, là, je le vois même pas. Ok. Bon, je dois rechanger les couleurs, mais ça c'est pas grave. Pas rechanger le modèle, mais ça c'est pas grave. Là, on a l'arrivée. Mais alors, attends, mais il y en a un qui manque là. Et quoi? C'est le départ des matériaux? Mais si, il y est déjà. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a des trucs chelous des fois. Je me suis compliqué la vie les mecs. D'une force, mais d'une force. Non mais je sais pas pourquoi. Enfin. Attendez. Oui c'est ça. Non, je me complique trop la vie là. Hop, répartiteur. Hop. Je sais pas comment je. Pourquoi. Enfin, ouais. Pourquoi je me suis autant compliqué la vie que ça. Hop, là je fais le petit lien. Là il est fait, il est fait. Là, voilà, parfait. Là je vais juste à retirer. Là je fais coucou, je te remets. Que là-bas ça jarte. Oh ouais, j'ai presque plus de carburant, ouais c'est chiant. Bon ça jarte, ça jarte. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Non, c'est ça que je vais retirer. Voilà. Là. On a un truc qui est bien. On a un truc qui est bien. Ça on verra plus tard. Par contre là si j'ai dû faire un. Mais je les ai jamais mis le convoyeur là. Ah c'est marrant ça. Moi. Oh, attends. Glitch? Comment ça se passe? Parce que j'ai jamais mis ça. Si? Non? Si, peut-être. Oh, ouais, je revois. Là j'alimente. Là j'alimente. Oh, je m'occupe des couleurs aussi. En passant. Ok, bah voilà. Là j'ai juste à dire coucou, toi tu vas là-bas. Je me suis pris la tête. Ouais, j'ai juste oublié de faire ça en fait. Je sais pas pourquoi. Couleur. Bim. Je sais même pas si ça a changé, mais c'est pas grave. Bim. Ça a changé de couleur, toi j'en sais rien non plus. Mais... Ah! Peut-être pas dû changer de couleur, toi. T'es même pas branché, donc c'est.
Tu me dis que t'avais changé de couleur, moi je ne comprends pas encore bien. Ok. Là ça suit, vite. Ah bien. Je vais modifier mon plan. Des raffineries, je vais encore en avoir vraiment besoin. Changer plan. Ah, est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez de moteur. Où est-ce que j'en ai? Non, non, non. On est là. Allez, je crois en avoir vu là. Non, c'était pas là. Ouais, j'ai mal vu. C'est pas grave. Si, je vais les récupérer maintenant. Je vais en avoir besoin. Là, j'en ai. Là-bas. Là-bas. Et là. Ok, j'en ai là. J'en ai là-bas. Et j'en ai ici. Ah, deux! Je me suis fait avoir là. J'en ai deux. Ah, j'en ai deux de ci, de là. Oh la vache. Ah, vraiment deux. 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 Ça rappelle une vieille pub. Une vieille pub. Vieille pub, ça. Je vais devoir remettre mon réacteur. Mon overpack. J'ai plus de. J'ai vraiment plus grand chose. Est-ce que je l'alimente pas en vrai? Parce que là, si j'alimente ça. Je vois ce qu'il faut dans l'overpack, non? Hop, charger un plan. On est reparti. Ça part, ça part, ça part, et ça part. Ensuite, c'est comme ça, et lui. Comme ça. Hop. Hop. S'il vous plaît. Voilà. On sauvegarde. Juste le moteur. Je vais récupérer tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ah oui. Bah j'ai pu... Ah si voilà, j'étais là. Ensuite... 1, 2, 3... 4... 5... Là-bas normalement... 6... Waouh! Et voilà, comme ça même je suis alimenté. Branché. Grosso modo c'est un peu ça quoi. Et là j'ai juste à dire, je veux des lingots de fer pur, alors cette alternative. Ah, j'ai dû mettre la recette par défaut dans... C'est pas grave. Dans le modeler. Hop. Ah, c'est les deux du milieu. Bon, les deux du milieu, ouais. Bien problématique. Ensuite, plaçons le reste. Alors. Voilà, à droite, à gauche. M'en souviendrai. Mais là, là, ça doit, c'est censé être moins compliqué, censé. Hein, je dis bien. Bon, le fer de haut, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je vais vous laisser un truc, mais. Hop, c'est que là, je suis. Ah, voilà, je suis. Voilà, je dois le mettre. Comme ça. En fait, je regarde par rapport à l'échelle.
Là, je regarde par rapport aux deux échelles qui sont là. Oui. Faut qu'elles soient en face. À partir du moment où elles sont en face, normalement, ça doit être bon. Après, rien n'empêche l'erreur. L'erreur est normale. Là, tu... Ok. Là, je me souvenais pas par contre que j'avais fait ça. De couleur, s'il vous plaît. Hop. Alors, oh, qu'est-ce que j'ai coloré? Qu'est-ce qui n'est pas coloré? Là, il y en a pas un là, il y en a pas un planqué là. Tu crois que je te vois pas, toi là? Yes, je t'ai eu. Hey. Et voilà. Oui, faut que je rebranche ça à ça. Hein? Ah, ça a déjà fait. Ça va. Ensuite. Ouais, je vais rajouter la partie là. Moi j'ai rien oublié. Hein. Je sais pas. Plan. Si, j'ai passé. Voilà. J'ai passé de pucre. Oula, oula, oula. Allez. C'était où? C'était là? Où? Non. Ah, je suis assis. Et ça vous consomme hein, de la poutre bétonnée là. Poutre en béton armé. Hop là. Ok. On n'empiète pas. Trop coûteux. Tôle de cuivre. Oh merde. Sérieux? J'ai pas vu un autre aller-retour. On va en faire beaucoup des allers-retours comme ça. Ah, bah, allez. Mama. Alors normalement je dois en avoir pas mal. Ouais, voilà. Mais... Par contre on cible de vachement loin avec ça. C'est... Regardez là je peux cibler. Mais non. Oh, la portée. Oh, ça cible de loin. Hein. Par contre, en vrai, je fais le mariole, mais les tôles de cuivre, j'en ai pas des masses. Oui, si je peux limiter la conso, je vais le faire. Parce que c'est vraiment le truc que je produisais le moins là-bas et que j'en ai pas en stock. Enfin, presque pas. Et là, j'en consomme beaucoup et je vais... c'est pas prêt de changer. Je suis dans le bon sens déjà, je suis dans le bon sens. Alors... en face? Non, c'est trop beau pour là. Ok, il faut que je sois... Je me fais repère. En fait, j'ai le truc pile devant. Oh non, terrible. Je crois que je suis bon là. Yes. Ah bah j'ai refait la même ici. Ah bah je vais remodifier, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ah. Hop. Ça s'allume. Je vais faire les tuyaux avant de peindre. Là, pareil, je refais les tuyaux. Maintenant, on repeint. Alors là, par contre, viser le machin, là, ça va être... Ah, voilà.
Comment ça, nuancier déjà appliqué? Bah, depuis quand? Ah, je proteste, hein, c'est pas de la même couleur là. Et je veux bien que je sois daltonien, mais à ce point-là. Voilà! Ah mince, j'en avais bien. Et je voyais que là ça déconnait, hein. J'ai vu. Mais non, je suis con, c'est parce que c'est le premier que je place, tu m'étonnes que j'ai pas eu de problème sur l'autre. Là c'est bon. Allez. Modeler. C'était le. Et à droite. Ah putain, je manque de tuyaux, c'est toi. On manque d'un truc, c'est terrible. Le tuyau, s'il vous plaît. Bonjour, 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 je cherche des tuyaux. Des tuyaux vous avez. Oh oui, il y en a ici, tiens, hop, il y a même de la tôle de cuivre. Allez, je prends. Ah. Ah c'est. Ouais, bah lui il est déconnant, ouais, mais il pourrait être déconnant. Ouais. Il est un peu déconnant, ouais, je sais pas ce que je fais. Hop. J'espère que les autres fonctionneront un peu mieux quand même. Ce serait couillon quand même de devoir refaire la moitié des. Là ça sort, ça a pas de problème, hein, si vous. Ouais, vas-y, open bar, open bar. Hop, sauvegarder le plan. Et récupère tout. Alors, là, est-ce que je vais garder l'alimentation? Oui. On est alimenté, ça c'est cool. L'arrivée, je le ferai plus tard, pareil pour l'alimentation des raffineries au premier plan. Par contre, ce que je dois changer, c'est ça. Ce qui nous fait deux rangées de 8-16 raffineries. Oh. Tiens, j'ai oublié de les. Ah oui, j'ai totalement oublié. Voilà. Effectivement. Partir une nouvelle rangée, on sera à 24. En fait, j'ai deux autres rangées à faire. Ça va être limite là, niveau. Niveau longueur, non? Non, ça va aller. Ça va le faire. Alors, c'est là où il faut pas se gourer, par contre. Donc, lui, c'est le plus difficile à faire. À placer. Je vais dire. Ok, déjà, j'ai tout. Ça, c'est bien. Là, il faut que ça dépasse. On voit un petit peu en dessous de la pâte là. Pour moi c'est là. Oui c'est aligné, ça se voit. On a la petite ligne en plus, parfait. Hop là. Super. Là j'ai fait les liens ici. Oh, j'ai fait les liens. Ok, hop là. On remet les liens. Alors non, c'est pas toi. Celui que je veux, c'est celui qui est en dessous. Oui, ça fait pas très beau, mais bon. J'ai plus de jus. Ah si. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû. Ouais, j'ai dû. Le pied là où il fallait pas. Hop, ça. Oui, tiens d'ailleurs, pourquoi il est pas en couleur là? Pourquoi ceux-là ils sont pas en couleur là? Oh, il se passe des trucs chelous encore, moi je vous le dis.
Ok. Là on est à ligne. Attends, ils sont en couleur là, non? J'ai pas touché. S'ils sont en couleur là-bas, pourquoi ils sont pas en couleur là? C'est bizarre mais bon. Là c'est bleu là. Même là je saurais même pas dire si c'est... Ah non c'est pas bleu. Bah attends je suis sûr de l'avoir fait à l'instant. Ah lui par contre il a chopé du bleu. Non c'est du rose. Oh j'en sais rien. Attends. Ah ouais non non il est pas pareil. Ah ouais non il est clairement pas pareil. Allez, on va rajouter le reste. Hop. Est-ce que j'ai tout? Déjà, j'ai tout ce qu'il faut en matériaux. C'est vrai que celui-là, il est chaud à placer là. Voilà. Oui, lui, il est bien. Comment ça? Ah mais si, c'est parce que je l'ai modifié après. Oh ok. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, attends, c'est pas normal. J'ai remodifié et il est pas bon quand même. J'étais pas serein. Allez, tu viens là, mon ami. On place les tuyaux là. Non, les tuyaux. Voilà. Qu'il y a les liens là à faire, je sais même pas si. Bah non. Enfin, mon gros là, quand même, t'abuses. Non mais t'abuses, voilà. Fais. Tour en couleur s'il te plaît, tour en couleur s'il te plaît. C'est est-ce que j'ai bien fait les liens tout à l'heure? Apparemment ouais. Je vais le faire sans y penser, dans ton mouvement. Attends, là c'était fait aussi ou pas? Oui. Mais on le voit qu'en bas non. En bas je n'y ai pas pensé. Et voilà. Hop là. Ah oui, bah oui, d'accord, je sais pourquoi j'ai pas pensé. Ouais, là normalement par contre, là on est d'accord que ça c'est bien aligné. Hein. Ouais, c'est bien. C'est mieux, c'est mieux. C'est une couleur ça? Ça a pas de couleur ça. Vas-y. Non mais, soit du genre. Oh là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs, je vous dis. Bonjour, couleur, couleur. Merci, merci. On va parler en double? Double, double. Ah non mais là c'est trop bien, c'est qu'on passe carrément. C'est... Bon, visible, allez, pourquoi pas que ce soit même pas. Enfin, pris en tant que matériau, c'est chaud quand même. Voilà. Hop, constructeur, plan. Raffinerie à gauche. Il va me manquer des choses, des moteurs. Oh, c'est dingue, ça dit. Ah, j'aurais pas pensé. Bonjour, le moteur, s'il vous plaît. Attends, par contre, je suis à peu près sûr d'avoir fait le tour des trucs là. J'ai déjà plus de moteur. Hein. Enfin, dans les coffres, après j'en ai, je sais que j'en ai autre part, mais...
J'en avais 2 tonnes, mais. J'ai l'impression d'en avoir 56 000. Oh bah dis. Oh ok. Non mais autant pour moi. Je vais aller en chercher ici, voilà, j'en ai un bon millier encore. Tu me diras, ça part vite. Hein. Bon, j'espère que j'en ai assez du moins pour la construction. Ça me balance des éclairs, ça fait. Eh oui. Ouais, s'il y a des étincelles qui se barrent comme ça, ça veut dire qu'il y a du matériau qui part. Là, c'est peut-être pas ouf. Ça va foutre le feu, moi, je vous le dis. C'est pas terrible, hein. Plan, ici. Gauche, parce que c'est la droite. Mais non, mais c'est. Je m'y ferai pas, hein, je m'y ferai pas. Si, on s'y fera. Ouais. Ouais, là on est bien aligné. Ça je l'avais zappé, je sais même pas si je l'ai fait là. Oh bah je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait. Hop. Oh. Et sur celui dessus, je l'ai pas fait sur celui haut. Du dessous. Voilà. J'ai fait du dessus, je l'ai pas fait sur celui du haut. Oui mon gars, oui. Et déjà rien que ça là, ça envoie. Hein. Là Oh, je suis content que ce soit. Que ça se fasse bien. Ah, j'ai un peu galéré sur certains plans, mais c'est pas très grave. Mais sur certains plans. J'ai un peu galéré à certains au début parce que c'était mal. J'ai encore des petites erreurs. En vrai. En vrai, je trouve que le travail est plutôt correct. Hein. Pas parfait, c'est correct. Est-ce que c'est alimenté? Pas partout. Hop là. Ah, mais on a les trois quarts. On va finir. Tranquille, bidou. Et là, on sera même pas. On aura encore un peu de marge au fond. Oh, tiens, ça faisait longtemps ça. Ça fait longtemps, tiens. là faut que j'arrive ici. Putain, je vais changer un peu de manière de faire tôle de cuivre. Oh merde, alors ça. C'est ce que je vous disais, là ça va être terrible ça par contre. La tôle de cuivre, s'il y a bien un truc. Ouais. Peut-être en lancer en parallèle. Ouais. À un moment je lancerai peut-être de la fabrication de cuivre en parallèle. Oh j'en ai un peu là. Surtout que là-bas j'ai des minerais de cuivre quoi qui sont juste là. Ouais, je vois ça. Alors. Il est là. Celui-là, il faut que j'arrive.
Impec, c'est celui-là. Je vais les enchaîner. Changer la matière de fer. Gauche. Ya ici, qui Yes, ça m'a l'air correct. Et chez les bonnes. Et 1, 3. Il manque quelque chose, il manque rien. On est dans le bon sens, on est dans le bon sens. On a aligné, je crois. Yes. Hop là, et là je suis en face. Yeah. C'est bien ça. Ça m'a juste à relier, franchement. C'est tellement plaisant. Relier, oui d'ailleurs, en parlant de relier. Déjà fait? Ah oui, non, mais c'est le... C'est ici. Là, je me dis, attends, mais c'est pas normal. Ça se fait que c'est déjà oui. Ça fait comme par magie. Non. Non, spoiler, non. Spoiler ou pas, non. Hop là, coucou. Hop là, coucou. Hop là, coucou. Hop là. Coucou. Ensuite, ça on a fait passer de l'autre côté. Mais il faut que je mette un câble. Je sais pas si je l'ai visé, on va le refaire. Ligne, ça alimente tout, parfait. Ça alimente. Et ça alimente. On a vraiment pas des masses de marche par contre. Hein. C'est à côté de chez à côté. Hein. Oh non. C'est bon ou pas? J'en ai combien? J'en ai fait combien? Je sais plus. 4 fois 8, 32. 32 fois 35. Ouh. Un truc que j'avais pas prévu. Oh merde. J'avais pas prévu ça. J'y ai pensé pour les autres, mais pas pour celui-là. Avoir un petit problème au niveau de l'alimentation. Les convoyeurs. Ils vont pas être assez rapides. Oups. Ouais, ça, ouais, non mais c'est. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Je vais pas plus loin, je vais retirer le fond. Toute la partie bleue, vu que je n'alimente plus rien derrière, j'en ai pas besoin. Rassas de matériaux d'économiser. La sortie. Bon, même pareil pour ce qui sort. Hein. Pause. Oh, ce sera pire. Oh merde. Oh, pour ce qui sort, ce sera encore pire. Ouais, ce sont. C'est les aléas du direct. Non, c'est pas ça. Bon, déjà, on a tout qui est. Qui est programmé comme il faut. Là, je vais passer en customiseur bleu. Là, j'en ai pas besoin. Ah, j'ai pas relié là. Attention, ouais, j'y pense.
Bonjour, bonjour. Il faut que je sois bien placé. Hop là. Ah zut alors. Attends, il est bleu? Ah non, il est pas bleu. Oh, merde. Ça est foutu en bleu quand je l'ai repassé dessus. Donc je me suis dit, oh, c'est bon. Bah non. Hop là. Ça c'est bon. Là j'avais un tuyau qui n'était pas relié. Si je me crois. C'est Louis. C'est Louis. C'est lui. Ah voilà. Je trouve une astuce pour les convoyeurs. Je peux pas les doubler. Je suis à 780. Wow, on avait dit combien? 32? Mille cent vingt. Donc j'ai un convoyeur MK4 et un convoyeur MK5. Ou deux convoyeurs MK5. Ou trois convoyeurs MK4. Mais trois convoyeurs MK4, laisse tomber. Pour tout ce qui est arrivé et le pire ça va être pour la sortie parce que 32 fois 105 à 2000, oh putain 2080, j'ai 2080 lingots de fer en sortie. En 2080 je vais être obligé d'avoir 3 convoyeurs MK5, 3 convoyeurs MK5 ou 4 convoyeurs MK4. Oh merde, oh c'est con ça. Que je vais faire. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé que ce soit inversé. C'est que je vais récup en fait et je vais balancer des convoyeurs au-dessus pour la sortie. Pas vraiment le choix. Donc du plus haut au moins haut. Ce qui fait qu'en sortie là, en fait, je vais pas avoir de lien. Dire que tous ces liens là, ils n'existent pas. Ah, j'avais pas pensé à ce détail. C'est my bad, c'est mon erreur. Et celui-là. Rien. Mais celui-là, il sera. Non. Il restera comme ça. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. C'est ça, et des trucs qui se barrent par là, en fait. C'est. Moche, mais. Je peux pas, là, ça vole pourtant, c'est bien, non? Non, ça marche pas comme ça. Ouais, zut. Et que là en gros je fasse que ça se récupère au niveau de certains au niveau de regroupeurs. Hop là, 1, 2, 3, ouais putain, ah ouais, on est déjà sur cette taille. Donc là on a 1, 2 et 3. Bonjour. On dirait Big Ben presque. Hop, alors lequel est plat? Lequel fait qu'on arrive sur une bonne hauteur? C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Sauf que là, bah, ça va être encore plus embêtant. Parce que je peux pas faire. Ah, oh, coucou, allez, ciao. pas non plus le faire sortir de l'autre côté.
La lime. Oh, oh terrible. Dit, ce sera bon parce que là on prendra de la hauteur. Si, ce sera bon. Je vais mettre ça là, je vais les faire lever, je vais en mettre un qui arrive juste là, quoi. Répartiteur, non, il me faut un groupeur. L'entrée est bien. L'entrée est bien. Pas de chance. Oui, il y a décalé, voilà. Au niveau de la hauteur, ça doit être ça là. Oui. Ouais, trop long. Oh non. Tu me dis qu'il s'arrête juste devant. Je suis pas. Je fais un convoyeur intermédiaire. Je le tirerai juste après, bien sûr. J'ai l'impression que je monte là. Hein. Non, 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 c'est qu'une impression. Hop, voilà. C'est. Ah si si je monte. Ah si 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 je monte. Il est trop bas. Il arrive plus haut que ça. J'arrive pas à le viser. Attends, j'étais où là? J'étais là. Yes. Je dois refaire pareil là. Bon, je les retirerai après parce que c'est moche. Hop là. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Là, si je me trompe pas. C'était comme ça ou c'était comme ça? Non, c'était comme ça. 1, 2, 3. Là, va falloir. Oula. Attends, je sais plus moi, j'étais où? J'étais là. Là, j'ai fait comme ça. 1, 2. C'est triste ça, tiens. Je suis trompé de sens. Non, que ce soit lui. Ah oui, non, c'est. Hein? Oh non, je me suis trompé de sens sur celui du bas. Terrible ça. Bon, comment ça? Ah, c'est un groupeur que j'ai foutu. Mais non, c'est des répartiteurs. Ah. À peu près de câble. Il me gêne. Bonjour. Eh? Comment ça, bref? Eh, je me suis pas gouré sur le répartiteur, je suis pas dingue. Ah, mais d'accord, il y en a déjà qui existe. Mais attends, c'est pas normal. Là, je fais. Ah mince. La bonne taille, terrible. 1, 2, ça va être ça. Yes. Toi, coucou hibou. Oh non, ça fait la même chose. C'est pas drôle. Votre sens de l'humour. Pas fan. Hop, et il m'en manque un. Toujours plus haut. Alors
Non, c'est pas en pente, hein. C'est vraiment bien droit. J'aime bien. Ben ça part. Là on est arrivé de 1, 2, 1 couille quelque part et une couille dans le potage. Par contre comment comment lui il peut fonctionner avec un... Je l'ai foutu à l'envers sans le faire exprès. Là, j'aime bien. 3. Ah oui d'accord, là on a le troisième qui est planqué là. Ouais. Ça on s'en fout. Et quatrième ligne là qui sort normal ici quoi. Ok, ok, ok. Ce qui fait que ça je m'en fous. Lui j'en ai pas besoin. C'est bon, et lui c'est bon. Ok. Là ça prend cette sortie, là ça prend l'autre sortie, en dessous. En dessous et re en dessous. De toute façon je pouvais pas faire plus bas. De toute façon je pouvais faire carrément plus bas. Oh non, attends mais non, mais non, c'est juste que j'ai fait de la merde. Ça c'est l'arrivée de matériaux, pourquoi j'ai cassé l'arrivée de matériaux moi? Je m'en fous de l'arrivée de matériaux, c'est pas celle-là. C'est ça que j'aurais dû récupérer. Ouais, j'aurais pu gagner de la place. Hein. Ouais, j'aurais pu gagner vraiment de la place en hauteur. Bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est un peu chiant à faire, donc je vais pas le modifier. Je me suis coupé. Là, j'ai plus besoin d'arriver le matériau. Là, j'en ai une sortie. Ouais, j'aurais pu faire les trois qui arrivent à la même hauteur. Ouais, oui, ce serait pas mal. Serait simplifier la vie quoi. Et plutôt que faire des groupeurs, j'aurais pu faire des répartiteurs. Oh, terrible. Non, bon, c'est quoi, je vais les refaire. J'ai fait trop d'erreurs. Je préfère faire ça propre. Parce que ça me prenne trop, un peu plus de temps. J'ai loupé lui. Salut toi. Après en vrai j'ai une partie qui est toujours là donc ça me prendra pas plus, enfin, moins de temps quoi. Là on arrive à ce niveau là. Ça c'est droit. Impec. Suivant. J'en ai deux qui vont arriver donc. Hop, deux regroupeurs. Voilà. Là j'en ai un qui va arriver mais il prend un regroupeur à cet étage là. Okay. Et là il y a le dernier qui devrait être là. Tac. Un. Là y'a rien. Là on part. Ah. Est-ce que ça va être assez long? Oui, c'est bon. Voilà, ce qui fait qu'on a nos trois arrivées là. Les unes au-dessus des autres. Quand même beaucoup mieux. Il va nous manquer encore une alim. En fait, ouais, je vais avoir deux trucs d'alim à ce niveau-là. Pour la flotte. Oh merde. Pour la flotte, je sais pas non plus.
Ah, il va me manquer. Ah, il va me manquer. Il va me manquer rien en plus. Et en fait, pour la flotte, c'est con, il va me manquer pile ce que j'ai rajouté. Non, en soi, pour l'eau, c'est pas très grave. Ce que j'ai à faire, c'est juste là, parce qu'en fait, pour la flotte, je vais avoir 20 consommations d'eau à chaque usine. Raffinerie, pardon. Donc 20 fois 32, 340. Les pipelines MK2 peuvent prendre 600 d'eau. J'ai dit comment 300? Non. 20 fois 32, 640. Je sais plus ce que je dis. Le problème, c'est que ça ne prend que 600. Il va me manquer 20. C'est de la consommation de 2 de mes raffineries. Les raffineries latérales, les plus latérales. Je ferai une arrivée d'eau un petit peu en parallèle et ça devrait pas poser de soucis. Une arrivée d'eau annexe plutôt. Au niveau de la lime, donc là on aura la première. Attends. J'ai quelque chose. Là, je fais 35. On dit 35 à 32, ok. Moins 35 fois 8. Ah, mais c'est de la merde. 35 fois 32. 1120. 35 fois 8. 280, donc 1120 moins 280. Je fais 840. Ah, merde. Attends, ça me prend combien les MK5? 180. Ah, si. Ouais, j'ai essayé, mais non, non. Ouais, je vais diviser la console en deux. En plus, ça prendra un peu moins le chou. Ça, c'est dommage, mais c'est... Première alim, deuxième alim, ce qui fait que celle-là, plus raison d'être. Par contre, vu qu'on a un peu de hauteur, je peux dire que j'ai un répartiteur, même si en fait, ça fera juste un effet de ligne qui va. Voilà, hein. Lui il est censé être un peu en pente, si je me suis pas trompé. Oui, il est un peu en pente. Là on a la lime, là il n'y a plus de liaison entre les deux. Okay. Et là ça repart. Donc on a deux lignes alimentaires, on a celle qui est là. Pote, on a celle-là et on a celle-là. Là. On a ces deux lignes alimentées. Donc, bah plus la flotte. Oui, bon, forcément plus la flotte aussi. Hein. Ça, je m'en fous. Ça n'a pas de raison d'être ça. Voilà, on a cette ligne de flotte alimentée et deux convoyeurs verticaux. Donc, oh. Ah ouais, bon, on en est là, ouais, ça prend de la largeur. Hein. Là c'est ça, je sais pas du tout où est-ce que je vais pouvoir faire passer mon truc. Hein. Attends, je suis en MK2 partout, j'espère. Oui. Bon, c'est ça, va pas le faire ici. On va faire un truc, un truc autre. Je vais tirer ma. De toute façon, il me faut un croisement de pipeline ici. Le mieux, ce serait. Comment j'ai fait? Là, je suis même en train de me dire si je veux. Si je veux éviter de me prendre le chou. C'est. Je refais de la construction en plan et je retire ce que je. Mais le truc c'est, est-ce que j'ai vraiment la place? Ouais. Ah ouais. Ça a l'air, hein. Par contre,
contre, dans ce sens-là, je sais pas du tout si je serais au bon endroit. Là, faut que je sois aligné. Pour moi, là, je suis comme ça. Ça a l'air, hein. Là, je retire les deux grosses raffineries, là. Je peux dire que ça, je l'alimente quelque part, parce que... Bon, pas ouf. Voilà. Hop, toi, tu vas là-bas. Toute la partie verte, je m'en fiche. Ce qui va m'importer, c'est la partie bleue. Voilà. La partie bleue avec la lime là. Là, j'ai juste à foutre de l'eau là-dedans. Ça va peut-être bouger, ça. Alors, voilà, de l'eau là-dedans. Comprends-moi. Et là, voilà. Ah, la couleur. Effectivement. Pareil pour là et là. Ah merde! Oh, mais du coup j'ai pas mon repère. Et j'ai pas mon repère de l'échelle. Oh terrible. J'ai retiré. Trop coûteux. Ah, il me manque des poutres. Non mais sérieux déjà hein. Ça à part, mais comme des petits pains, ce truc là. Alors, okay. Voilà, en gros, là je dois faire ça. Là je suis aligné. Ah! Je suis aligné avec quoi là? Attends, quoi? Je suis aligné, je sais pas avec quoi, mais j'ai l'impression que c'est bon. Ouais. Je sais pas du tout sur quoi j'étais aligné, mais. C'est passé. Côté le principal. Allez, on retire tout ce qui est. Pas coloré. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. Ah non! Oh, c'est décalé! Ah! Ah, je suis dégoûté! Attends, quoi? Lui, il est bon? Ah, non, mais ça commence là. Oh non! Ah, ça joue à rien, mais c'est décalé de 1. Ah! Ah, j'étais content, je me disais, purée, le premier coup et tout là. Dans mon repère et tout, ouais. Non. Alors pour ça c'était bon, par contre pour ça c'était pas bon là. Là j'avais un repère à la con là qui me disait ouais ouais pose-le là t'inquiète. Non. Pose-le là que dalle. Ouais c'était celui-là le repère à la con. Bon.
Comment je vais faire? J'en sais rien. Alors, bon, déjà, faut que je rechoppe le. Voilà, ligne. J'étais là, et là, j'étais un petit peu décalé. Attends, j'en ai deux. Écoute, mon instinct me dit de le mettre là. Mon instinct avait encore tort. Saloperie d'instinct, c'était pas dans le bon sens. Vraiment pas suivre mon instinct. Hein, vraiment que j'arrête, ça me causait des. Ça me causait des torts un jour. Hein. Causer des torts, du tort. Non. Ah bah super sortir. Mais arrête de. Il y a un convoyeur devant moi, s'il te plaît, tu peux le retirer plutôt que retirer les trucs derrière que je vois pas. Je t'avoue que ce serait un pouillard arrangeant quoi. Bon, c'est dans l'autre sens. Ok, je vais pas me faire avoir trois fois. Gauche parce que c'est droite, ça me va. Là, pas du tout dans le bon sens. Voilà. Ensuite, aligné, aligné, ok, là, tac. Là, on aligné, mais c'est ce qu'on veut pas, donc... Eh, merde. Donc, normalement, c'est là. Mais quoi? Ah, j'ai trouvé un autre axe d'alignement, c'est ça? Terrible. On va y arriver, on va y arriver. Attends. Ouais non, ça n'a pas touché. C'est encore aller choper un truc derrière, je suis dégoûté. Oula. Bon, on va y arriver, on va y arriver, moi je vous le dis. On ne peut que y arriver au bout d'un moment. Oh purée, et je vous le dis, il y a l'autre côté à faire ensuite. Ah non. Pourquoi? Et en plus, le fait c'est que même si je me mets hyper haut, je peux pas voir si c'est aligné ou pas parce que je vois pas bien là-bas. Ah bah aïe, surtout il n'y a plus. Aïe! Il n'y a plus d'électricité. Oh, on est plus, on est pas bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, toi pas. Oui, peut-être. Alors, peut-être. Mais comment ça, c'est foutu sur le côté là? Non, c'est normal. Terrible. C'est terrible. Alors, si on aligne, il faut que les pattes dépassent du trait du milieu de ce machin là. Super. Ouais. En gros, il faut que ça soit comme ça. Là, je suis aligné. Ensuite, il faut que j'aligne bien, mais dans l'autre sens. Normalement, c'est censé être là. Yes. Je suis arrivé. Je suis content. On n'aura pas été de tout repos, mais... Manque plastique, 1. Dommage. Hop là. Ok. Sans couleur.
Ok. On est pas mal. Ça. C'est moi qui l'ai pas mis encore. Voilà. Oui. Et toi, tu te barres. J'en sais. Non, non, ça. C'est celui-là, hein. Ouais, il a l'air de même couleur à peu près. Ah ouais, d'accord, mais c'est parce que ça je les ai pas mis en... Ouais. Opec. Allez, maintenant faut... on va faire la même chose avec ce côté-là. Ah, là c'est pas mal, c'est que on sait que c'est sur la même... Ok. Plan. Hop, celui-là. Alors, normalement, c'est comme ça. Je sais que je suis dans le passage. Ah. Voilà. Dans la question, c'est est-ce que c'est aligné par rapport à ça, là? Et du coup, il faut que je mette comme ça. C'est là. Une bonne intuition là, je... Yes. C'est aligné. Ok. Les liens là, je suis à peu près sûr de ne pas l'avoir fait non plus de l'autre côté. Bingo. Ah ouais, même pas coloré tout sur l'autre côté aussi. Ah bah oui. Je me félicite pas moi-même. Hein. Pas très content. Hop, tuyau, et il faudra les convois ailleurs. Ah, sachant que celui-là, on va pas le laisser comme ça. Toi, tu es. Ah si. Alors oui, si. Alors ouais. Puisqu'on va feinter un coup. On va aller voir. Attendez, je vais mettre ça avant. Voilà. Là, on va feinter un peu. On va faire un petit renforcement. Hop. Je ne sais pas si c'est un bon terme. Là, je crois que ça marche pas quand c'est comme ça, c'est dommage. J'ai rien dit, ça passe. Oh, en fait, en faisant comme ça, je vais pouvoir avoir plus de liquide qui va passer pour le premier rang. Ça va pouvoir un peu mieux alimenter certains endroits. Ça je m'en fous. Regardez, je vais faire le truc ici, ici, ici et là. Oh, ah, ça le fait. Merde. Couleur. Et voilà. Voilà. J'en oublie un ici. D'ailleurs, elle est l'arrivée. Et là. Ok, il faut que j'envoie. Là.
Même, j'ai envie de dire ici. Attendez, 350, ça fait 280, non 290. Ok. 290 par ligne, donc 290 fois 2, 580. Je vais devoir faire un convoyeur ici. Hein. Ceux-là en alliage. Et celui-là en alliage aussi. Et c'est tout. Normalement. À l'arrivée, en fait, devra être en alliage. Là. Et l'arrivée ici aussi, ouais. Est-ce que j'en ai de l'alliage? Alors, ça, c'est la bonne question. C'est ça que je voulais faire. Vache. Attendez, mais j'en ai vraiment pas des masses. Non, je dois en avoir autre part, non, je n'avais pas fait un peu en rap quelque part. Hein. Ah non, sérieux? J'ai zéro de rap en ça là? Ah, terrible. Ouais, j'ai pas fait de rap. Ah, c'est con ça. Ah, j'ai oublié un lien. Ah! Hein? Bah arrête de monter! Arrête, arrête! Bah! Il fonctionnait. Ah oui, non mais. Ah oui, c'est parce que ça bloque quand j'appuie sur. Tab. Sinon, voir toi, t'es pas sur la bonne couleur non plus, toi. Hein? J'ai vu. Toi non plus? Et. Bonne question, est-ce que ça marche si je fais ça? Ah ça marche pas hein? Hein? Pour avancer c'est dommage. alors. On a fait notre première ligne. Voilà, de raffinerie. Mine de rien, quand on voit la taille. Ça présage de la suite. De la production, là vous comprenez que on n'est pas là pour rigoler quoi. Imaginez la le reste hein. Là je vous dis de ça c'est je ne sais plus combien de lingots de centaines de lingots là qui va sortir, plus de 2000, plus de 2000 lingots de fer qui vont sortir, qui vont être pour la grande majorité utilisés, 90% un truc comme ça utilisé je crois. Je crois que c'est ça. Hein. À peu près, aux alentours des 90% vont être utilisés. Si je pouvais faire un copier-coller de ça, oh, je serais tellement heureux. Il va falloir que je repasse le même pour le cuivre. On se dit, ouais, mais le cuivre, ça va, il y en a un peu moins, il y en a 26. Le 26, c'est exactement pareil. Pareil. Exactement. Pareil. À moins que pour changer, après je fasse le catarium. On verra. Mais là, en vrai. Au niveau largeur. Ah ça va, c'est... Wesh, il est petit ce poteau, non? Comment j'ai fait ça? Ah non, d'accord, ouais, il va dans le... Okay. Là, mine de rien, on a pris un tiers de largeur. Hein. Il va falloir... Sachant que ça va être pareil pour le cuir... Ouais.
falloir agrandir. Et bon bah la piste principale d'agrandissement, ce sera par la droite, par ce côté. Hein. Oula, oui. Là j'ai de la place, je peux vraiment agrandir de ce côté-là jusqu'à à peu près là-bas, facile. Je jarterai au pire à mes arrivées, je le ferai détourner, faire un petit contour par là. C'est pas un problème. De toute façon, mon but, c'est à terme, c'est toutes les arrivées là qui sont en bordel. Je leur fais faire un tour, je sais pas par où, comment, pourquoi. Et je les fais arriver par derrière. En fait, tout se regroupe genre là. Tout sera regroupé ici et je me prendrai pas le chou. Je pense que c'est. Ça sera pas mal. C'est-à-dire que tout ça, ça jarte forcément. Mais ça, c'est pour les tests, hein, de toute façon, donc c'est pas un souci. Et là, vraiment, il y aura l'arrivée de tous mes minerais, etc. Donc, étape 1, poser les usines. Alors, au moins, poser les usines de transformation des minerais bruts. Donc, que ça soit utilisé dans les fonderies ou dans les raffineries. Pas que, parce qu'il y a d'autres choses qui utilisent des minerais bruts. Il y a certains constructeurs aussi, si je ne me trompe pas. On va devoir utiliser là-dessus. Par exemple... Quoi? C'est où le charbon? Ah non, monsieur. C'est pas ça, c'est non plus, je pense pas. Hein. Si? Ouais bah si. Par exemple pour le charbon compacté. Et pour la poudre noire. Ouais. Allez, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Prochain épisode. Soit on fait le cuivre, soit le caterium, en fonction de comment j'ai la flemme ou pas. Non, en vrai, ce sera peut-être plus le cuivre parce que j'ai la plateforme et le caterium, je le ferai sûrement là-bas. Ah, oui, bah oui, faut que je tombe. Je disais, le caterium, ce sera sûrement là parce que là, j'ai plus de place. Vraiment beaucoup plus de place. Et je vais en avoir besoin. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Thiob. Ciao, ciao.